Bonjour, 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 bonjour. Voilà, je suis Nicodème Angourand, le grand frère de Dougoutigui. Voilà, je fais cette vidéo ce matin parce que je me suis réveillé et je vois sur les réseaux sociaux mon petit frère Dougoutigui Lobert qui se fait inciter partout, partout, sur les grandes pages, sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour, dans un premier temps, demander pardon à toute la nation ivoirienne, à tous ceux qui ont été choqués par ses propos, à tous ceux qui sont mécontents, qui sont fâchés contre lui. Moi, je vous demande pardon en tant que son grand frère. Mais en même temps que demander pardon, je tiens à vous dire, vous expliquer. Qui est Dougoutigui? C'est qui Dougoutigui en fait? Dougoutigui, c'est un jeune qui était dans la brousse, qui était dans la forêt, à quelque part là-bas, qui n'avait même pas téléphone pour communiquer, pour appeler, il n'avait pas téléphone. Et Dougoutigui, il a fait une vidéo par hasard. Et une vidéo qui a pris, qui a fait buzz partout dans Côte d'Ivoire. La vidéo a fait buzz. Les gens regardent la vidéo. Les gens sont moqués de la vidéo. D'autres ont ri de la vidéo. Tout le monde était content de la vidéo. Et il a été contacté par plusieurs personnes. La vidéo que Dougoutigui a fait là, RHDP a vu. FPI a vu. PDCI a vu. Tous les grandes puissances qui sont à Abidjan ici, qui sont en Côte d'Ivoire ici, ont vu la vidéo. Et il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas vu la vidéo de Dougoutigui sur les réseaux sociaux. Ça, c'est impossible. C'est que tu n'as jamais eu de téléphone. Et aujourd'hui, Dougoutigui est devenu héros national. Mais quand tous ils ont vu la vidéo là, personne ne l'a aidé. Personne n'a aidé Dougoutigui à faire quoi que ce soit. Personne ne l'a. Ils l'ont contacté, ils l'ont appelé, il allait à la radio, il allait partout. Mais il n'y a personne qui l'a donné 5 francs. Il n'y a personne qui l'a donné quelque chose. Moi, je suis toujours avec Dougoutigui, je cause toujours avec lui et il n'y a rien. C'est le ministre. C'est le ministre qui l'a appelé. Et il a dit, petit, toi, tu veux quoi? Il dit, ah, que je paie, moi, je veux ma ferme, je veux une ferme. Parce que déjà, il a brûlé de mon nom. Donc, si j'ai une ferme, c'est que je peux prendre soin de ça. Et monsieur le ministre, avec son cœur, sa gentillesse, il a donné, il a exécuté sa promesse. Il a donné une ferme à Dougoutigui. Mais ce que vous devez savoir là, avant qu'un ministre ne réagisse là, c'est que tout le gouvernement là, ils sont d'accord d'abord, sur le point d'abord. Parce que ça ne vient pas de lui personnellement. Donc, Dougoutigui est un jeune. C'est un enfant. Lui, il veut dire merci. Il veut dire merci. Parce que tout dernièrement là, vous avez vu que Dougoutigui a posté, ceux qui sont sur la page a posté où monsieur le ministre a donné chose tricycle, moto tricycle là. Il a donné une moto, il a donné 3 vélos, il a donné une maison où dormir, il a donné beaucoup de choses à Dougoutigui. Il a donné de l'argent. Sa femme là, ils ont fait un premier essai. Les poulets ont grandi un peu et puis ils ont fait encore 2 envoyer les nouveaux poussées encore, centaines de produits. Tout ça là, c'est aux frais du ministre. Donc l'enfant, lui, veut juste faire quoi? Il veut juste dire merci. Donc, plus c'est un enfant, ce qu'il a dit là, il n'a pas tenu trop compte de ça, il n'a pas pris ça trop important. Donc lui, il parle. Donc il a parlé, il a dit la vidéo que le temps de Dieu, parce qu'il n'a pas dit le nom d'un autre parti politique, hein. Il n'a pas dit, il n'a pas indexé quelqu'un. Il a dit le temps de Dieu est passé. Et que Alain là, c'est RHDP. C'est ce qu'il a dit. Et que 10 ans dans l'école de RHDP encore. Pourquoi il a dit ça? Parce que lui, il trouve que c'est le gouvernement qui l'a aidé. Aujourd'hui là, il mange. Toi-même, tu as rien à me suivre là. Toi-même. Si quelqu'un, toi, tu es dans le brousse, tu es dans la forêt, quelqu'un t'a aidé là, tu n'as pas le soutenir. Tu vas le soutenir, ça c'est normal. Moi, je suis à même là, si RHDP me donne l'argent là, moi, je vais soutenir. On va manger, c'est tout. On va manger, tout le monde veut manger. Donc, les gars,
Moi, ce que je vous demande, c'est vrai que c'est pour un peu choquant, mais je vous demande, attendez, ce grand frère, je vous demande pardon, je vous demande pardon, je vous demande pardon, je vous demande pardon. Ne l'insultez pas, ceux qui sont allés se désabonner sur sa page, vraiment, allez-y vous réabonner parce que voilà, c'est ça. Il a fait plusieurs vidéos, après, depuis qu'il a fait sa vidéo, il a fait beaucoup de vidéos, mais ça n'a pas pris. Mais c'est là où il a parlé de politique, c'est ça qui a pris. Parce qu'actuellement, là, nous sommes dans le temps d'élection et le pays est un peu vraiment. C'est voilà, à l'ébullition et puis c'est très, très, comment on appelle ça? C'est très faible, voilà. C'est ça, non? Voilà. Donc, vraiment, moi, je vous demande pardon. Allez-y vous réabonner, pardonnez-le, arrêtez de l'insulter et tout ça là. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai fini de faire ma vidéo. Et vraiment, c'est un peu ça quoi. Pardon à tout le monde, pardon à ceux qui sont choqués là. Moi, je vous demande pardon. Et que Dieu vous bénisse. C'était Nicolas Star. Ciao. Big up.